Bien, salut à tous les amis, c'est Skilltox. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Village Escape. J'espère que vous allez bien. Je tourne ça pratiquement à la suite. Là, je suis en train de d'uploader l'épisode 1, donc cool. Donc là, ce qu'il faut qu'on aille faire, c'est aller à la mine. Donc on va y aller directement. Je ne sais juste pas où elle est. Faut que je me balade un peu. Alors, sais juste pas où aller, donc faut que je la cherche. Un peu chiant ça par contre. Ouais, enfin, je crois qu'elle était là. Il semblait qu'elle était là. Je regarde parce que j'ai juste, je bug un tout petit peu. Peut-être parce que je fais une. Alors ça c'est quoi ça? Oui donc je cherche la mine. Ah d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dormir parce que il va commencer à faire nuit. Donc on va dormir et après on va aller à la mine. J'ai pas trouvé la mine. Cool. Cool Raoul. On va attendre de dormir, j'en profite pour répondre à un SMS. Allez, bon bah j'espère, sinon bah voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne de moto, ça fait toujours zizir. Bon, j'y vais spam comme un gros bâtard. Au cas où il fait good. Donc je vais tourner toute la série en avant, je pense. J'aurai sûrement pas de retour d'ici là. Déjà j'en ai jamais. C'est parti, donc on va chercher cette mine de merde. Ah, elle est là. Clé de la mine. Alors. Je pensais que c'était un piège. Moi, je pense qu'il y aura des pièges. Je vous parie qu'on va mourir. Est-ce que je peux? Ah oui, ça va, je peux que casser les minerais. Ça sent le piège. Ouais, c'est quoi cette mine? Et bon. Alors attendez, j'ai eu un petit bug, rien de grave. On va aller de l'autre côté. Moi je sens le piège. Je le sens. Après voilà. Hop, du coup on va aller de l'autre côté. Par là, on va aller par là. Ok. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok, donc faudra que j'utilise la bonne épée. Donc, oh merde. Donc ça, c'est Smite et Ban of Arthropod. Putain, mais je vais faire comment, les gars, là? Attendez, je vais passer une fois de l'autre côté, voir si c'est un peu mieux. Genre, on ça en dernier, tu vois. Poser que sur un bout de lapis lazuli. Ok. Moi
J'espère que je grille pas d'étape, j'espère juste qu'il fallait pas que je tue les monstres avant de continuer la mine. Bon, cela fait bien longtemps que personne n'était venu, j'ai un service à te demander, j'ai un ami qui s'appelle Alphonse, il a perdu son livre préféré. Ouais bon, c'est vrai, je m'en fous. Donc du coup, ouais. C'est Mites. Donc faut que je fasse du Banafart. Le gros problème... il faudrait du régène. En fait, c'est, je sais, juste pas que je me chie dessus. Ça c'est bon, ça. Ça c'est ce que j'aime. Bon, moi je sens le piège, hein. Ça sentait quand même le piège. Ok, donc on va retourner chez le villageois qui nous avait écrit un petit texte sympa. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu vends ici, mon coco? Ok, un diams. Ok. Alors, oh, cela faisait bien longtemps que personne n'était venu ici. J'ai un service à te demander. J'ai un ami qui s'appelle Alphonse. Il a perdu son livre préféré quelque part dans la mine. Cherche le livre et amène-lui, s'il te plaît. Ok, donc on va continuer. Salle des quatre. Actionner les leviers. Oh putain, je vais mourir. Oh fuck. Ok. Ok. Merde. Ah oui, d'accord. Ok. On s'est fait niquer. Je pense que c'est clair. Du coup, on va y retourner. J'ai pas envie de claquer ma régène, donc on va essayer de garder ça un minimum. C'est par là que je suis. Ouais, en fait, quand t'allais à gauche, ça servait un peu à rien. On va y aller doucement. Ouais, du coup. Ils peuvent pas nous atteindre. Ça devient plus intéressant tout ça. Et je crois que j'ai fait une boulette. Casse, casse, casse. Oh putain, ça rase. Donc j'ai récupéré, j'étais là. Ah, sa mère! Eh! Mon armure, elle a dû prendre cher. What? Ah non, c'est juste un petit bug. Ok. Je l'ai ton livre, donc faut que j'aille chez Alphonse! Alors fonçons chez Alphonse! Je regarde juste. Je regarde si tout va bien. Ok. Donc là, on va aller chez Alphonse. On va lui donner le livre. Je sais pas ce qu'il y a écrit dedans. Chez Arnaud. Arnaud, on y était déjà. Est-ce qu'on a déjà regardé? En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire cette bof. Je vous dis comme je le pense. Chez Constantin. Putain, il aura vraiment. Il aura donné des noms de merde, hein, miskine. Chez Robin. Est-ce que ici chez Alphonse. Non, c'est chez Bernard, ça. Merde. Chez Alphonse, oui, bien sûr, Alphonse. Ah, tu as mon livre, donne-le-moi et je te donnerai une petite histoire que j'ai écrite. Ma petite fille. Ouh. Ok.
Alors, voilà déjà un moment que vous êtes ici et que vous ne savez toujours pas comment vous échapper. Allez obtenir plus d'informations à propos du village en allant voir le chef. Mais du coup, j'ai pas vu ton histoire. Voilà. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Motu. Un jour, elle rencontra un drôle de bonhomme qui ne semblait pas bien comprendre la langue du pays. Motu trouvait ce bonhomme très sympathique car il l'amusait en faisant des grimaces. Tous les jours, Motu sortait de chez elle afin de voir ce mystérieux personnage. Elle a parlé pour la première fois et disait le je l'épars, une très haut gueulin. La petite fille ne comprenait rien, mais le bonhomme disait cette phrase à chaque fois qu'il se voyait, et elle finit par comprendre qu'il parlait à l'envers. Il inverse en fait toutes les syllabes. La phrase qu'il disait était donc je parle une autre langue. Attends, je suis super contente de savoir qu'elle a enfin de pouvoir aller avec lui. Ses premières questions furent quel est ton nom? Il répondit à Tongas, la petite fille d'exil qui s'appelait Gaston. Dans sa langue, Gaston demanda le prénom de la fille, il s'agit de répondre à Moitou. Au moment où elle a prononcé son prénom, Gaston prit un couteau et tua la fille. Effectivement, Moitou, de la langue donne, tue-moi. Oh putain! Ah, c'est nul! Oh le. Vous avez pas compris? Bah, en gros, je regarde s'il y a pas de coffre. En gros, elle a parlé en verlan et la fille elle s'appelle Moitou. Et en verlan, ça veut dire tue-moi, et donc il a pris un. Bien pensé, bien pensé. Ah putain. Ah, ça m'a bien fait rire, ça, pour le coup. Je regarde, je sais, je suis un peu casse-couille. Comment tu veux t'échapper de mon village? Eh bah, tu n'iras nulle part excepté la prison. Échappez-vous de la. J'ai juste un peu trop de stuff sur moi. Il est gentil le chef, dis donc. Y a toujours pas eu de piège dans cet épisode. Hey toi, donne-moi 6 chairs putréfiées, autant de flèches, je te donnerai un bouton qui te sera. Voilà. Le bouton est peut-être passé sur un bloc de quartz. Mais le bloc de lapis, du coup, on en faire quoi? J'ai pas trop compris le délire. Parce que là, le bouton, ils nous disent de peut-être que sur un bloc de lapis lazuli. Ah, mais attendez, je crois qu'on a loupé quelque chose, les amis. Ah. Et là, pose. Ah. Ah oui. Effectivement. Non, ça, je peux pas miner. Encore. Et j'aime pas assez facile pour le coup. Et je suis assez plein, je vais faire un tour après chez moi pour. Oh putain. Merde, oh le fail. J'ai pas très bien compris le principe. What the fuck? Je fais quoi moi? Attendez, attendez. Il doit bien y avoir une couille quelque part. Doit bien avoir un truc quelque part. Ah, c'est bizarre. Non, je sais pas du tout. Alors, ne peut que être posé sur un bloc de lapis lazuli ou un bloc de quartz. C'est bizarre. Je ne sais pas comment faire. Putain, ça je tombe tout le temps. On a combien de minutes de vidéo déjà là? 15 minutes. Ouh là là. What? Il recule tout seul, mon bonhomme, t'es mort? Ouais, c'est des petits bugs de merde. Bon, bref. Arrêtons de jouer là, les enfants.
C'était pas possible hein, de. What? Tu veux faire ça comment, Roy? Arrête d'avancer tout seul, je t'en mets une. Sais pas comment faire. Et j'arrive pas, j'arrive pas. Attendez, il doit bien y avoir quelque chose. Moi, je dis qu'il y a une couille quelque part. J'arrive peut-être à casser ça. Non. Ah! Ah, j'ai compris, attendez. J'ai compris, j'ai compris! Mes calculs sont bons. Ouh! En fait, j'étais en sneak, et quand t'es en sneak, et bah, ça s'ouvre pas. On va faire un peu de place. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est. Là, je suis vraiment en déche, là. du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Le melon, ça pourrait nous être utile. Ah, le sandstone, on en a pas besoin. J'espère que j'ai pas besoin de cette flamme, je la prends quand même au cas où. Place la rotation. Ok. Non, l'ambiance. Juste terminer cette quête et puis on s'arrêtera pour cet épisode. Oh là là, mais ils abusent! Ah putain, t'as passé sa porte de quartz. Et alors, c'est quoi ça, connard? Carotte. Oh putain, j'en aurais besoin, je le sens. Ça, je peux pas prendre. What the fuck? What the fuck, c'est. Attends, y'a un problème. What? Mais attends, mais tu veux faire ça comment, Ray? Prend tout ce qu'on peut, de toute façon. Ah! Il est sorti là, non? Non, toujours pas? Bah alors? Ah! J'ai compris! Oh! J'ai dit. Et alors? Du coup, ça fait quoi? On va repasser? J'ai pas très bien compris le principe là en fait. Je croyais avoir compris mais en fait pas du tout. Oui, mais là jusque-là j'ai compris. Oui, d'accord, j'ai oui le monde. Là oui, je sais, il faut pas que je saute, j'ai compris ça, mais
un petit problème là, je sais juste pas comment ça. Ah! Attendez. Là, je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire, ça a ouvert un truc en haut, mais. Je n'en ai aucune idée. Bah, je pensais qu'il y avait un rapport avec, avec le levier de lapis-lazuli, mais en fait, non. Donc, apparemment. Oh putain de bordel de merde! Bah super hein. Le système n'a pas marché, j'ai l'impression. Normalement, c'est censé. Bon, je sais pas, du coup, je vais faire une ellipse, je vais regarder ça, enfin. Je vais quand même m'arrêter à cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, c'était Skill Talks. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao, bisous.